peux baisser un peu la musique, s'il te plaît, pour l'interview? Merci beaucoup. Respect, it's for the TV show. Oh. C'est juste un truc entre toi et moi. On est que tous les deux. On va faire un jeu, en fait. On va tirer des cartes et ça va être des dilemmes. Genre, on débat, tu vois. Tu préfères chanter ou danser? Oh, c'est une bonne question, ça. Moi, je t'ai déjà vu faire les deux. Donc ouais, c'est pour ça. Je dirais chanter, vraiment, j'adore ça. C'est dommage que... Ça dépend de la musique, en fait. Ouais, voilà, ça dépend de la musique. Elle peut te faire danser, il y en a une autre, elle peut te faire chanter. Dans tous les cas, je suis nul. Dans les deux, je suis pourri, mais c'est vrai que je kiffe chanter, je kiffe danser. Moi, je dirais chanter, allez, chanter. Parce que... Bruxelles, ma ville. Sibi serait super fier de ça, d'ailleurs. Je porte ton emblème, tes couleurs dans mon cœur. Et quand vient le week-end, au parc du Den, je chante pour ton club. Allez, l'union. Oh, oh. Alors, t'es un animal pour 24 heures. Une poule ou une vache? Mais bon, je pense que t'aurais choisi un autre. Je prends la poule tout de suite, la poussa. Je dirais que je prends la poule quand même, faut respecter mon nom. Bien. Karel Gerrit, comme T1 ou T2? Oh, il était super bien comme T2, mais je dirais maintenant, vu que c'est le coach, on va dire T1. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas tellement changé son comportement de T2 à T1. Il est resté vachement au contact avec les joueurs. Je dirais que sa petite touche personnelle qu'il a amenée, c'est cette forme de possession. Il essaye d'avoir un peu plus de possession que ce qu'on avait avec Matsu. C'était un peu plus des transitions rapides. Le plus fou, la poussin ou Thomas? C'est Thomas le plus fou. Tu peux pas dire ça, non. La poussin, elle est calme. Après, ça dépend sur quoi, mais moi, je dirais la poussin. Moi, je dirais Thomas, moi. Pourquoi moi? Parce que t'es fou. Quand t'as dit, il est pas là, le vestiaire, il manque un truc. French fries. Voilà, ça s'appelle en anglais, là. Ça coupe en anglais. C'est tout fatal. Ça, ça rend des dents, ça. C'est quoi? Tu vois le dé de la feuille? Alors là, je connaissais pas non plus. Ton plat national de Malte. Non, ah, tu t'étends. Si toi-même tu savais pas, c'est pas moi qui aurais trouvé. Hein. Alors pour le coup, moi quand je vais à Malte, je mange que de la viande. Donc on va dire les frites en même. Alors, ça doit être chez toi ça. Alors Bruxelles ou Antananarivo. Voilà. Ah, tu vois, je connais. Toi, tu connais. Je connais, je connais. Ah, moi je dis Antananarivo. Tous les jours. Ça fait du bien d'aller se ressourcer au pays, en plus il fait chaud. Si je devais y aller à Madagascar en vacances. Vraiment, vraiment. Mais vraiment, c'est vrai, je devais y aller. Sibé et tout. J'ai une tante à moi qui est malgache. Mon oncle, il s'est mis avec une malgache. Je veux dire, tu serais bien avec moi en sélection, malgache. T'es un ouf, non, mais moi je suis en avoir. Faire l'avion ou l'hélicoptère? L'hélicoptère, j'ai jamais pris, je crois. T'as écrit faire l'avion? Ah, faire l'avion ou faire l'hélicoptère avec. C'est pas ce qu'on m'a dit, moi, ça. On m'a dit faire l'avion ou l'hélicoptère avec. Ça, je sais pas. Ah, c'est quoi? Ah, moi, j'ai compris prendre l'avion ou prendre l'hélicoptère. Non, il y a écrit faire l'avion ou l'hélicoptère. Je sais pas d'où est sorti le bord. Qui a sorti cette connerie, d'ailleurs? C'est Sib qui a. Ah oui, c'est ça! Quand il se faisait interviewer là dans les trucs. Stel iets, man. Als hij daar helikopter tussen staat spelen met zijn fluit daar. Dat doet hij wel vaker. J'ai de l'hélicoptère, alors, hein? Après réflexion, c'est l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est beaucoup mieux. Qui tu préfères voir gagner la Coupe du Monde? La France ou la Belgique? Moi, je prends la France tous les jours. Bien sûr, sans hésiter. Amener la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez. Sauf si Sibi joue. Là, je suis pour la... Ou dans ah oui, si, voilà, ouais, bien sûr. Ouais. Alors, c'est différent.